J'étais un peu angoissée avant de venir, je crois. Je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre parce que je n'ai jamais vécu quelque chose de ce genre. Je n'ai jamais été victime d'un crime dont l'auteur a été arrêté. Je ne me suis jamais trouvée dans ce genre de situation, alors il y avait un peu d'angoisse liée au fait de ne pas savoir à quoi m'attendre. Je me sentais mal à l'aise et anxieuse, mais je suis contente que ça soit fini. J'ai reçu 22 éclats de plomb. On en a retiré deux de mon dos, un de ma jambe, l'autre jour, et je viens de faire une radio. Il en reste encore dans ma poitrine, mes bras et mes jambes. Je m'en remettrai, on va tous s'en remettre, et j'espère que justice sera faite. Ce n'est pas comme si je n'avais rien vu venir. Il va faire durer tout ça le plus longtemps possible. C'est pour ça qu'il a abandonné si vite. C'est pour ça qu'il est venu avec son attirail de combat et ses armes et qu'il s'est rendu immédiatement. Il veut simplement attirer l'attention. Tout ça va durer longtemps et c'est exactement ce qu'il veut.